Henry Purcell est né en 1659 et mort en 1695. Purcell est un des plus grands musiciens anglais. Au XVIIe siècle, il crée un nouveau style et compose les premiers opéras en langue anglaise. Ouvrez ! Ouvrez-moi par pitié ! En ce mois de novembre 1695, il fait un froid glacial à Londres. Mais Henry Purcell bouillonne de rage. Depuis plus d'une heure, il essaye vainement de rentrer chez lui. La porte reste close. Las de voir son mari rentrer ivre au milieu de la nuit, après avoir passé la soirée à boire dans les tavernes, Madame Purcell a défendu aux servantes de lui ouvrir après minuit. Pour son malheur, ce soir, il a dépassé l'heure. Il a beau tempêter, les domestiques font la sourde oreille. À ce train-là, il va finir par attraper une pneumonie. Si l'on en croit la tradition, c'est d'ailleurs ainsi que Purcell contracte le refroidissement qui causera sa mort à l'âge de 36 ans. Une mort prématurée pour un compositeur qui connaissait alors une carrière prometteuse. Henry Purcell est issu d'une famille de musiciens qui travaillent au service de la monarchie anglaise. Lorsqu'il est enfant, son père le fait entrer comme choriste à la chapelle royale à Londres. À 17 ans, lorsque sa voix mue, il devient compositeur du roi. Et à l'âge de 23 ans, on lui confie le poste d'organiste de l'abbaye de Westminster qu'il conservera jusqu'à sa mort. Comme tout compositeur au service d'un roi, Purcell doit fournir de la musique pour accompagner tous les événements de la cour. Couronnement, funérailles, anniversaires royaux, musique sacrée pour l'abbaye de Westminster. C'est ainsi qu'il compose la musique du couronnement de la reine Marie en 1688, puis celle de ses funérailles en 1695. À l'époque, l'opéra n'en est qu'à ses balbutiements, mais Purcell s'intéresse à cette nouveauté venue de France et d'Italie. En 1689, il compose Didon et Énée, le premier opéra entièrement chanté en anglais. Au cours de sa courte vie, il écrit environ 800 œuvres abordant tous les genres, dont plusieurs semi-opéras. Des compositions mêlant théâtre et musique, dont certains épisodes sont chantés et d'autres parlés. Les plus célèbres sont Le Roi Arthur en 1691, inspiré des légendes britanniques, et La Tempête, d'après la pièce de Shakespeare. À sa mort, Purcell est si populaire dans son pays que les Anglais lui font des funérailles nationales. Il est enterré près de l'orgue de l'abbaye de Westminster. Le roi Arthur raconte un mythe fondateur de l'Angleterre, la victoire du Breton Arthur sur le Saxon Oswald. Les deux héros, Arthur et Oswald, se battent pour le trône d'Angleterre et pour l'amour d'Emmeline, la fille du duc de Cornouailles. Avec leurs armées respectives, ils errent dans des forêts enchantées et se combattent avec l'aide de magiciens comme Merlin. Les scènes guerrières alternent avec des scènes comiques ou tragiques et des épisodes fantastiques. Cette marche ouvre et conclut l'œuvre que Purcell composa pour accompagner les funérailles de la reine d'Angleterre, Marie, en 1695. Le rythme est donné par les timbales, des tambours en peau frappés avec des baguettes. Puis vient la mélodie entonnée par les cuivres, des trompettes et des sagbouts, les trombones de l'époque baroque. Écoutez comme cette marche mélancolique et solennelle invite au recueillement. Elle est digne de cette reine très aimée de son peuple.